Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la fameuse VHS Box sortie chez ESC. Donc on va découvrir ça plus en détail maintenant. Alors cette VHS box en détail, donc premièrement c'est livré déjà monté, hein. Donc c'est pas aplati etc, c'est pas à vous de la monter, c'est livré comme ça en carton, très bonne protection. Donc c'est très rigide, donc il y a peu de risques que ça arrive endommagé déjà. Donc au niveau des détails, il y a une belle finition, brillante. Donc évidemment, tout ce qui rappelle un magnétoscope. Je sais pas sur quel modèle ils se sont inspirés, mais bon, ça on s'en fout un peu. Ça par contre, c'est un petit peu dommage, coffret-ci VHS Box ESC. Bon, c'est que ce n'est que mon avis, mais je trouve... je sais pas, il aurait fallu trouver autre chose. Après quoi, j'en sais rien. C'est facile de critiquer, mais ouais, je sais pas. Donc, ouais, finition plutôt sympa, rigide, comme je l'ai dit. Alors, détail, hein, jusqu'au bout. L'arrière aussi. Le dessous, bon, ça sert à rien, mais... voilà. Ensuite, là, le clapet, on va dire, est monté. Donc à l'intérieur, le fond noir et une petite étiquette ici. Donc, si vous voulez écrire les VHS qu'il y a dedans, bien à vous. Moi, perso, je laisserai ça comme ça. Donc, on va tester, hein, voir ce que ça donne. Exclusivement avec des Vandamme, puisque les Vandamme, ça va, il y en a un peu plus de 6 sorties à ce jour. Moi, perso, ça va me servir pour mettre les autres, en fait, celles qui sortent du lot. Les Vandamme, j'ai envie de les exposer, parce que les visuels sont plutôt cool. Voilà. Ça rentre parfaitement. Seul hic, ouais, bon, ça va être après pour les reprendre, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas impossible non plus. Donc voilà, ça remplit bien la boîte, quoi, sans problème. Donc ça fait un petit packaging sympa, par contre, bon, évidemment, ça commence à peser là. Voilà, quoi d'autre? Bah, c'est plutôt cool au final, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation, en espérant que celle-ci vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker. Et moi, bah, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde !